Je pense que la plus grosse difficulté quand je cuisine avec des produits ou des inspirations syriennes, c'est que je peux pas m'arrêter de manger parce que c'est tellement bon que, que ça me rend dingue. Je m'appelle Juan Arbeláez, je suis colombien d'origine. Aujourd'hui, j'ai 5 restaurants et actuellement, on est à Yaya, à Saint-Ouen. Pour la campagne Cook for Syria, je voulais un plat qui soit inspiré énormément de toute cette richesse des épices, des couleurs, d'un coucher de soleil. J'ai choisi un poulpe de Méditerranée. On va faire un pain un peu à leur façon. C'est un pain qui est fait griller directement sur des plaques très chaudes. Nous, on va le faire à la plancha. Et on va accompagner ça avec un caviar d'aubergine qui va être légèrement brûlé pour avoir des notes un petit peu fumées. On va accompagner ça avec des graines de coriandre, un petit peu de cumin, quelques herbes un petit peu folles avec beaucoup de puissance, de la coriandre. Je voulais un plat généreux, accessible, qui soit d'une extrême puissance en bouche, qui nous laisse un beau souvenir. Il ne faut pas oublier que là-bas, il y a des enfants, que là-bas, il y a des grands-parents, il y a des familles entières qui ont des soucis et je pense que c'est important pour nous d'être généreux. Je considère que quand on va de l'avant et qu'on commence à réussir dans sa vie, il ne faut pas réussir tout seul. Donc pour moi, c'était important d'aujourd'hui cuisiner pour ses enfants, de cuisiner pour Syrie, cuisiner pour l'UNICEF, cuisiner tous ensemble.